ça fait peur. Salut tout le monde, c'est Galak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, l'épisode numéro 4. Et je pense que ça sera l'épisode final de cette série sur Far Cry 3 Blood Dragon, le magnifique standalone de Ubisoft et Ubisoft Montréal. Voilà, moi j'espère que vous allez bien. On est reparti donc pour terminer cette aventure, je pense. À mon avis, vu qu'il doit rester 2 missions et vu qu'en général, on fait 2 missions de ce superbe standalone par épisode, donc devrait y avoir pas trop de soucis. Bah écoutez, pour cela, nous allons pas trop perdre de temps, on est parti. Donc je répondrai à certains commentaires que j'ai reçus sur la vidéo de Sly4, donc ça n'a absolument rien à voir avec cette aventure, c'est pour ça que je ne le ferai pas dans cette vidéo, mais certains commentaires assez blessants sur la dernière vidéo, donc je vous en parlerai dans la prochaine chronique du routier, pas celle qui se déroulera en live demain, après, ou non, je veux dire, c'est pas celle qui s'est passée en live dernièrement, donc juste avant sur la chaîne YouTube, mais bel et bien la prochaine chronique du routier, parce qu'il y a des commentaires qui sont assez choquants que j'ai reçus et je vous en parlerai. Mais bref, voilà, on n'est pas là pour parler de Sly4 ni des commentaires que je reçois de certaines personnes un petit peu mal élevées, on va dire. Donc voilà, on continue donc sur ce Far Cry 3 Blood Dragon, qui est un excellent standalone, comme je vous l'ai dit. On prend vraiment du plaisir tout en gardant un aspect, on va dire second degré dans le jeu, ça c'est sûr. C'est pas un jeu à prendre au sérieux et ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très très bien faits, certes, mais qui sont un petit peu pris au sérieux, et là d'avoir un jeu complètement relax, voilà, où c'est complètement pris au second degré, ça fait plaisir, voyez-vous. Alors, oulala, il y a une garnison là-bas, c'est quoi? Non. Alors attendez, il doit y avoir du monde ici, parce que s'il y a un aura vert en général, c'est qu'il y a du monde. Surchargé à l'intérieur. Attendez. Ce qui m'amène à croire que c'est le point central d'une ley line, si vous croyez aux théories de Lockyer sur l'alignement des solstices. Et il génère par conséquent beaucoup d'énergie. Faites attention, Rex. L'endroit pue la mort. Quel du genre dangereuse, Rex. D'accord. L'endroit pue la mort. J'adore son expression. Ah oui, c'est la roue qu'on avait vue dans l'épisode précédent, donc, oula, il y a des lumières vertes de partout, donc je suppose qu'il fallait peut-être libérer tous les camps, non? Je ne sais pas, je ne pense pas en tout cas, toutes les garnisons du moins. Oh, la porte, mon dieu. Ah! M'a fait peur. Retour en arrière impossible. Ah bah ça y est, nous refout le con maintenant. Vous êtes sur le point de quitter le monde ouvert. Vous ne pourrez pas accéder à l'île ou autres aventures avant d'avoir botté le derrière de Sloan. Dernière chance de réexaminer la question. Continuez. Eh ben oui! Attention, on fait le 360 degrés, et let's go! J'ai peur de ce que je vais voir. Donc voici la fin du jeu, les deux dernières missions. Plus possibilité de retourner en arrière, ça craint. Seuls ceux qui parviendront à survivre au labyrinthe de sang seront dignes de la récompense. Mais mon équipement! Aucune idée. Préparez-vous au combat. Alors là... C'est what the fuck, les copains. Prenez une arme et prouvez votre puissance. Laquelle? Oh là là, c'est quoi cette fin, les mecs? C'est quoi cette fin de ouf, là? Je le sens pas. Je sens que ça va être compliqué. Wow. Oh, c'est une nouvelle arme, c'est le petit pistolet qu'on avait eu au début de l'aventure, super, quoi. À part si je me trompe, que c'est un tout petit flingue, et comme dans Men in Black, qui est super puissant. Oh là là... D'accord, non, c'est bien l'arme de base. Qu'est-ce qui se passe? Oula! Où il y a du monde, je crois. Oh, les zombies! Non, non! Au secours! Maman! T'es mort! Ok, il y a du monde partout, apparemment. On a que ça comme arme. Tu te fous de moi, wesh. D'accord, on a que ça comme arme, les amis. Donc là, c'est exactement un petit clin d'œil au mode zombie. J'ai l'impression, hein, ça fait bizarre. Allô, j'ai déjà tué avant. Ah putain, faut les faire tourner comme dans le mode zombie. Abusé. Alors là, par contre, oh là là, mais il y a des mondes partout, mon dieu. Oh là là. Ah, pour le coup, c'est complexe, hein, les amis. On a pas des petites grenades, rien. On n'a pas de grenades, rien. Vaut mieux leur exploser la tête, c'est plus rapide. Allez, on va les faire tourner. Bah écoutez, on va essayer de se croire dans un mode zombie Black Ops. Non, oh là là là. Ouais, je crois bien que c'est comme un mode zombie Black Ops 2. Ah non, mais si on reste là, on va se faire bouffer, mais d'un point. Vite, je me guéris, les amis. Ah non, mais c'est un truc de ouf, là, les mecs. Faut leur tirer dans la tête, sinon, tu les tues pas. Je suis bloqué. Voilà.
Putain, c'est vachement chaud. Attendez, je reste coincé. Non, reviens pas me chercher. Non, je suis coincé. Je suis dans un coin. Oh là, faut que je me casse. Ouh là là. Eh, je peux plus partir. Je suis enfermé. C'est quoi ce délire? Je vais mourir. Voilà. J'ai pas compris, je me suis coincé tout seul dans un coin, j'ai rien compris. Alors le truc c'est que j'ai horreur de cette petite arme parce que je l'ai pas utilisée tout le long du let's play et ce n'est pas pour rien, parce que je la déteste. Et je déteste les petits pistolets en règle générale. Manche 1, combatté. Mais vraiment c'est un mode zombie quoi, c'est énorme. Franchement, j'aime pas Call of, mais là j'aime encore moins parce que ça me fait rager. En fait faut pas chercher, faut essayer de viser la tête au maximum. D'accord, faut absolument que je trouve des armes moi. D'accord, ça sert à rien de chercher. Ils sont trop forts. À mon avis, il faut tourner. À mon avis, les amis, il faut tourner un maximum. Il y a des crocos en plus en bas. Oh là là. Oh là là. Et si on tournait Non, je pense qu'en fait, faut prendre le temps. Faut tourner un petit peu autour. Heureusement que j'ai pris tous les consommables avant de venir dans cette mission là. Parce que. C'est bon, Yannick là. Ok. Ok, on s'en va. On va trouver d'autres armes. Alors heureusement que j'ai la capacité de pouvoir recharger en même temps. Vas-y, on y va. Visez les morphilants à la tête. Allô, on est déjà tué avant. Je sais bien qu'il faut les viser à la tête, mais bon, c'est pas évident. Il y en a un qui me tue derrière. Alors est-ce qu'on peut les tuer avec le couteau? Non, apparemment non, parce qu'ils leur sautent pas dessus. C'est un petit peu dérangeant tout ça. C'est un petit peu compliqué quand même, ouais. Attendez, on va essayer de viser la tête là. Voilà. Voilà, d'accord. Ah ouais, c'est beaucoup plus simple quand tu sais qu'il faut vous viser la tête, quoi. C'est sûr. Alors attention, il y a du monde qui arrive là. Ouais, d'accord, faut vraiment viser la tête. Si tu vises pas la tête, tu vas mettre 3 plombes, quoi. D'accord. Ah, heureusement qu'on a les munitions infinies, quand même, parce que... Ouais, ils sont combien? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que mode zombie, c'est bien. Alors, j'ai jamais été un grand fan de mode zombie, mais alors là... En plus, ils me mettent ça dans Far Cry 3, c'est un truc de marteau, quoi. Oh là là. Voilà, je suis pas très doué au niveau de la visée. En plus, je joue pas à la souris, les amis. Voilà. Alors, faut s'y faire un petit peu. Oh, toi, tu lances des trucs, toi. Il y a vraiment des références à tout en jeu, hein. Vas-y, crame, brûle du moins avant, tu brûles et après tu crames. C'est pareil, d'accord. Voilà. Ah putain. Le mec qui tire partout, sauf dans le crâne. Voilà, je préfère. Vous vous êtes bien débrouillé jusque-là, mais tout cela n'était que le début. Il est sérieux, c'est que le début. Non mais attendez, là on est carrément dans le clin d'œil à Call of Duty quoi. Vous vous rendez compte du nombre de clins d'œil à beaucoup de jeux vidéo ici, il y en a plein quoi. Oh putain, deuxième arène. Nom de Dieu. Allez, concentration. J'ai repéré une nouvelle arme. Ah, une nouvelle arme. Ah oui, mon bon fusil à pompe. Ça va être mieux. Ah, voilà mon galérien. C'est parti. Alors là par contre, munitions infinies, on va pas se gêner. En plus je l'ai bien amélioré. Y a pas de sushi. Dégage. Putain, j'ai du mal. D'accord. Oh là, il y a du monde de partout, merde. Vite on se guérit, vite rapide là. Putain, et ils sont partout. D'accord, vous voulez jouer comme ça, d'accord, je vois. Ah. Voilà. Ah ben voilà, on peut le faire. Oh là, il y a du monde, attention. C'est pas la première fois que je tue des trucs. J'espère que c'est pas la dernière. Non, on s'écarte. Oh, arrêtez de me bloquer. Nom de Dieu. C'est pas possible. Désolé si je gueule dans le micro, mais c'est trop chaud, quoi. Vas-y, recharge, bordel, recharge, vite. Non. En plein buffet, nom de Dieu. Dégage. Tout le monde, vous allez tous y passer, moi, je vous jure. Nom de Dieu de bordel. C'est en train de me... Ok. Voilà, avec le fusil à pompe, ça...
Oh mon dieu, c'est vachement dur les amis. Concentration. Alors c'est pas vraiment que c'est dur, c'est qu'il y en a beaucoup et je suis un petit peu dépassé. Attendez, on va s'écarter, on va tourner, on va faire comme dans un mode zombie. Donc vous pouvez vous apercevoir que je suis pas le pro des modes zombie Black Ops. Je sais, viser à la tête, je sais, il y a des éclairs de partout, ça me fait peur. Oula, il m'en... Voilà, dégage. Je te jure, ça, il commence à me gonfler. Boum! Headshot. Ouh là là. Éteins le feu, vite, éteins le feu, éteins le feu. Vite, on va devoir reprendre le deuxième santé. C'est la galère, c'est la galère. Quoi? Il se passe quoi là? De Dieu, mais je vois plus rien, sérieux. Le grand délire, les amis, c'est un truc de marteau ce jeu. Alors là, ce moment-là du jeu. Allez, nom de Dieu! Allez, nom de Dieu! Pas vrai! Tu le vises la tête, oui? Nom de Dieu! Ah, c'est eux qui m'embêtent là, c'est eux qui m'embêtent, d'accord! D'accord! Voilà! Nom de Dieu! Ah putain, je me brûle, je me brûle, je me brûle, ça brûle! Ça brûle! Foulala! Éteins le feu, vite, éteins le feu! Ah, il me reste plus qu'une seringue, les amis, j'espère qu'il n'y a pas 50 000 arènes non plus. On peut pas récupérer de la santé quelque part, il n'y a pas un petit magasin, non? Oh là là. Bon, c'est fini peut-être, non? Une tortue! D'accord, une tortue, c'est super. Oh, c'est l'enfer ici, les amis. Je suis désolé si je gueule un petit peu dans vos oreilles. Mais c'est l'enfer. Oh non! C'est quoi ça? En fait, ils nous font refaire avec toutes les armes du jeu, c'est quoi ce délire? D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh putain, le sniper! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain, heureusement que j'ai mis les balles explosives! Heureusement que j'ai mis les balles explosives! Vous vous rendez compte si j'aurais pas mis les balles explosives? Ce que ça aurait fait, en plus, j'aurais. Il aurait fallu leur tirer dans la tête. Oh putain! Non, mais dégagez, putain, mais comment vous voulez faire avec un sniper? Dégagez, je vise même pas, moi j'ai les explosifs, boum, dégage! Vous avez survécu. Allez! Mais vous n'arriverez pas. Viens là, j'ai le tour. Ah, explose, bordel! C'est bon, on a réussi, les amis. C'est bon, on se calme, on se calme. Ah, ça revient! Je suis désolé, mais là je suis en pleine. Nom de Dieu! Voilà! Et filez pas de côté celui-là! Un petit peu de respect s'il vous plaît. Non! Vas-y! Je te saute, j'essaye d'esquiver un maximum les copains. Voilà! Explosez les deux, tout le monde! Tout le monde descend, dégagez! Nom de Dieu! Je suis désolé, mais là c'est intense! À mort! Allez! Attendez, attendez, reviens, reviens, reviens toi, je tue! Pourquoi les scientifiques se refoutent contre moi? C'est quoi ce délire? Voilà! Attention, dégage, dégage, dégage! Dégage, non. Voilà. Voilà. Heureusement que j'ai mis les balles explosives, hein. Je serais dans le caca. Ok. C'est un truc de marteau, là. Là, franchement, les mecs, je suis désolé si je gueule comme ça, mais c'est vraiment un jeu what the fuck. Oh, putain. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Oh non. Oh non, bah non. Bah non. Manger, c'est ça, tu crois que tu vas me manger? Le problème avec ça, c'est qu'il faudrait leur tirer dans la tête quand même. Regardez, tant que tu lui tires pas dans la tête, il est pas mort. Alors heureusement qu'on a les munitions infinies, les cocos. Non, venez pas là, venez pas là, venez pas là, venez pas là, venez pas là. Non, venez pas là, venez pas là. Non, 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 vous ne venez pas là, je vous dis. Venez pas là. Eh merde, il y en a un qui passait derrière, fait chier. Attendez, on se casse, on se casse, on se casse. On va s'écarter un petit peu. Et on leur tire tout dans la tronche, c'est parti. Oh putain, c'est quoi ce délire? À hauteur de tête, s'il vous plaît, à hauteur de tête. Voilà, on fait des headshots multiples. Voilà, pardon. Voilà, assez gore, assez gore. Oh, il y a du monde, attendez, il y a du monde. Oh putain, il y a du monde. Oh putain, il y a du monde, à hauteur de tête, on va essayer de rester comme ça. Putain, il y en a un qui arrive sur le côté, il y en a un qui arrive sur le côté, il y en a plusieurs qui arrivent sur le côté. Hauteur de tête, s'il vous plaît.
la hauteur de tête. Putain, c'est pas vrai, ils veulent pas prendre à la tête. Concentration, voilà, là on est bien la tête, on est bien, vas-y, avance-toi là. Vas-y, prends-toi là, ok, voilà, impeccable, il reste plus que toi, Coco, c'est bon. Non, je croyais qu'il restait plus que toi. Allez, on recommence, à la tête, à la tête, à la tête. Oh, allez, t'as plus de tête. En fait, ils ont du sang bleu, c'est marrant. Bah, heureusement que la mitrailleuse est munition infinie, hein. Moi, je vous le dis, depuis le début, on a des armes infinies dans cet épisode. J'ai envie de dire que c'est assez intéressant. Voilà. Bah, écoutez, bah, je vais rester comme ça, si on peut rester comme ça. Voilà. C'est bon, les amis. On se calme. On a réussi. Manche 3. On est parti. Oh, feu d'artifice. Vous avez gagné. Thank you. Vous avez mérité l'étoile tueuse. À moi le pouvoir! À moi le pouvoir! Ouais! Doc, j'ai l'étoile tueuse. C'est l'heure de la sieste pour Sloan. Et j'ai bien l'intention de le border sous 2 mètres de terre. Alors voilà l'étoile tueuse. Je me sens déjà tout bizarre. Inquiétude. Température corporelle élevée détectée. Bordel de merde! Je crame! Votre corps n'est pas habitué à autant d'énergie. On doit apprendre à vos systèmes nerveux et musculaires à canaliser l'étoile tueuse. Spider, c'est plutôt lui qui aurait dû s'en équiper. Si vous ne pouvez pas le faire avec lui, Rex, faites-le pour lui. Ouais, je vais remettre les pendules à l'heure. Pour Spider? Non, pour l'humanité. Vous avez fait beaucoup de chemin, mais quelque chose me dit que vous vous retenez encore. Vous en faites pas, Doc. Ça se reproduira plus. Je vais être aveuglé par votre cyberamour. Oh. Oh, oui. Aïe. Oui. Oh. Oui. Non. Rex. Je n'aurais jamais pensé qu'un cybercommando puisse être aussi doux. Je sais. Mes organes, mes os, mon sang sont synthétiques à 85%. Mais vous êtes toujours un homme à 100%. En tout cas, pour le plus important. Oh, Rex, c'est vraiment fini? Non, pas avant la mort de Sloan, Elisabeth. Il a prévu d'envoyer ses roquettes sur chaque continent de la planète. C'est un monstre, Rex. La nouvelle charge contaminera le monde entier. Les hommes deviendront des sauvages préhistoriques. La société s'effondrera. Ce,
Ce sera un nouvel âge de pierre. Et ce qui en résultera n'aura plus rien d'humain. Il s'imagine faire une faveur à tout le monde. Mais moi aussi, en le tuant le premier. Vous m'avez déjà sauvé, Rex. Maintenant, il est temps de sauver le monde. Elisabeth ? Non. Alerte. Nouveaux paramètres activés. Attendez la mise à jour des objectifs. Quoi ? Rex, c'est moi, Elisabeth. Elisabeth. Si vous entendez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Rex, avant de vous rencontrer, je pensais ne jamais pouvoir aimer à nouveau. Je sais que vous ne vous considérez pas comme humain, mais vous avez quelque chose en vous de bien plus précieux que votre hardware militaire à $1 milliard. Bien plus puissante que votre cellule énergétique à hydrogène. Vous avez une âme humaine en vous, partout où vous allez. Et vous avez mon amour. Votre bras ouvre maintenant le bunker de sécurité à l'intérieur du complexe. Allez l'arrêter. Objectif. Pénétrer dans le complexe d'Anko et entrer dans le bunker haute sécurité. Et Rex, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour la paix dans le monde. Cinématique très intéressante, n'est-ce pas, petit coquin? L'étoile tueuse. Vous possédez l'étoile tueuse, une arme mystérieuse alimentée par votre force vitale. Et utilisez votre santé pour charger ses pouvoirs destructeurs. Et ben comme ça, on a eu la dernière arme du jeu, je pense, à mon avis. Donc, mission réussie. Maintenant, on doit aller entrer dans la base. Je vous présente la mission finale de Far Cry 3 Blood Dragon. Rejoignez l'entrée de la base d'Anko. Écoutez-moi, le thème musical est juste parfait. De faire du bruit. Alors, nouvelle compétence, gyro interne. Alors, à ce qui paraît, les gars, j'y dis bien à ce qui paraît, hein. À ce qui paraît, la dernière mission du jeu est juste superbe. Donc j'espère, on va la faire maintenant, hein, ne vous inquiétez pas, j'espère que ce n'est pas une bêtise, que c'est bien vrai. Oula, c'est quoi là-bas? Ah d'accord, c'est ça cette arme, je voulais voir à quoi c'était. Attendez, faites-moi voir. D'accord. C'est juste un laser en fait. Oh là là! Ça doit. Oh là là, c'est un truc de fou. En plus, il n'y a même pas de munitions, rien. C'est complètement surcheaté. D'accord. Eh ben écoutez, on y va, c'est parti. C'est bon, j'ai toutes mes armes. Recommandation. Percer la porte principale. D'accord. Un bout de temps que ça me démange de botter le cul de ces trous du cul. C'est parti. D'accord, comment on fait? Comme ça. D'accord. Let's go, les amis. Tac. Directive. Tuez tout le monde. Tout le monde. Tout le monde ? D'accord. Ok. Oh là là. Ça va être une boucherie, les amis. Pardon. Dégage. C'est quoi cette nouvelle arme de fou furieux, quoi ? C'est un truc de fou. Moi, je vous le dis. Voilà, oh putain, j'ai des intègres. C'est dégueulasse. Let's go. Magnifique thème. Oh là là, mon dieu, les amis. Non. Oh putain. Oula, il est excité. Là-bas, mon gros. Ici, petit. Alors eux, on fait pas de mariole, hein. Ils sont puissants quand même. Vas-y, allez, vas-y, excitez-le, va. Excite-le. Trou de balle. Ok, bah écoutez, avec lui par contre, on marche tout doucement, hein. C'est moi qui vous le dis. Alors lui par contre en haut. Oh là là, mon dieu.
je crois qu'il m'a vu le dragon, Oui, il m'a vu le dragon. Allez, on s'en va, les amis, on s'en va, vous savez quoi? Putain, il m'a vu. Je reste derrière mon cageot. Ok, par contre, j'ai plus de santé. Voilà, on s'en va. Salut! Hop, je m'en vais. J'ai perdu le dragon. Tant mieux. Il n'y aurait pas eu trousse de secours? Si. Merci, ça fait du bien. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les amis. Oh putain! Fausse Lord. Mon sang est rouge, blanc et bleu. Mais en fait, ça pète tout. Oh, c'est un truc de marteau. Oh là là, les amis. On se soigne, on en profite qu'on a récupéré un truc. Attention, on se méfie du radar. Oh, attendez, on va les tuer au fusil-pompe. Oh non, mauvaise idée en fait. Je voulais essayer de la jouer plus classique, et bah non, finalement. Le feu. Bah heureusement que j'ai atteint certains niveaux. Oh là là, c'est horrible les mecs, c'est horrible. C'est sanguinaire. C'est vraiment sanguinaire, quoi. Allez, on y va, on continue, les amis. On suit l'objectif, le petit losange blanc. Alors, c'est vraiment traction, hein. Checkpoint. Ok, on doit monter. Jouer des coudes jusqu'au quai. Ok. Rendez-vous à la porte du hangar G. Ok, ok, on y va doucement. Donc là, on est quand même un petit peu concentré, vu que c'est chaud. Allez, go, tyrolienne. Oh putain, un hélicoptère! Putain. My god. On fait tirer dessus! Mon dieu, on s'en va. On s'en va. Ouh non. Oula, attendez. Voilà. Ah bah les hélicoptères, c'est comme ça aussi. Ok. C'est de la main gauche en plus. Ça, c'est vrai que c'est de la main gauche en plus. Ah, pas mal. De la main gauche en plus. Chaud. Aussi. Et de la main gauche en plus. Voilà, il m'embêtait eux. En plus, il y a une portée de ouf. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Vous avez vu la portée de l'arme en plus. Élimination au pistolet, nouvelle compétence. Ok, on s'en fout. Ça, c'est de la puissance. Ok, tu préfères? Allez. On court. Je brûle, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, les amis, j'ai plus de vie, faut que je me concentre un petit peu là. Ah, vite, guéris-toi. On se guérit avec notre petit instrument, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. On se guérit quand même. Est-ce qu'on peut encore plus se guérir? Oui, on peut. Impeccable. On va se guérir un maximum, hein, vous savez quoi? Vu qu'on a le temps. Allez, on se guérit à max. Oh
Voilà. Allez, on se reguérit encore. J'en profite hein, que j'ai le temps. Voilà, on... je vous montre un petit peu comment il se guérit, hein, le bonhomme, lorsqu'on n'a plus... bah écoutez, de nano, je ne sais plus quoi. Ah bah c'est con que j'ai un truc de soin ici. C'est quoi cet endroit? Wow! Ça, c'est oh. La puissance. Oh, oh, oh. Quelle puissance avec cette arme de fou! C'est un truc de fou. Franchement, c'est une arme qui va rentrer dans les mémoires, ça, je crois. Il va plutôt rester dans les mémoires. Entrer dans le laboratoire d'armes. D'accord, mais avant, on souffle un petit peu pour que je vous dise que ce jeu est tout simplement monstrueux. Alors, oula, ça me paraît bizarre parce que là, en plus, on a deux mitrailleuses. Pourquoi pas les ennemis, après, nous viennent par là et on va devoir les tuer. Je ne sais pas, on va voir. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis le dragon d'assaut blindé de combat. Votre étoile tueuse contrôle ma cage cérébrale et me donne l'instruction de n'obéir qu'à vous. Salut. Je suis équipé d'un canon terreur 4000 à alimentation hydraulique et de plaques de blindage en titane. Je crois que je vais aller faire un petit tour avec toi. Oh, oh, oh la référence. Oh mon dieu. C'est pour toi, Spider. Oh my god. Oh Je my god. Vous détruire. Je vous ai tiré dessus. Je suis capable de tirer des lasers avec mes putains de yeux. Je suis une machine à laser. Appréciez-vous votre promenade. C'est amusant et triste. Je suis heureux. C'est quoi ça? Bienvenue, monsieur le tueur. Sloan, la seule personne que j'ai envie de tuer, c'est vous. Et puis après, la retraite en banlieue?
La pelouse à tondre le samedi et les matchs de foot le dimanche? Ça te ressemble pas, Rex. La pelouse, c'est pas pour toi. Ton truc, c'est le sang. Vous êtes dingue! Je suis un dieu désormais! Pas juste un homme, pas juste une machine! Une combinaison parfaite des deux! Un nouveau Zeus dominant une nouvelle espèce d'homme! Tu aurais pu devenir un de mes cyberprêtres, totalement dévoué à mon service! Mais je crois que l'heure de la retraite a sonné pour vous, les types 4! Vous vous trompez, Sloan! Terriblement. Alerte, système compromis. Impossible de tuer Sloan. Je suis désolé, Rex. Quel gâchis! T'es devenu beaucoup trop tendre. Comme tous ces politiciens de Washington. Tu sais qu'ils négocient la paix avec les communistes? La paix, Rex. La paix. Pourquoi je ne peux pas vous tuer? Sale raclure pathétique! Tu n'es rien d'autre qu'un tas de fils et de programmes. Il ne restait rien de Rex Power Cult quand on t'a trouvé. Juste de l'ADN sans âme. Non. Je t'ai donné mes souvenirs, mes expériences, mon enfance. Non! Rex... Je t'ai programmé. Je t'ai fait! Je suis ton père! Non! Rex, peut-être que vous transformer en machine vous a sauvé la vie, mais ça n'a jamais changé ce qui compte le plus. Votre cœur. Non, mais bien, mon frère. Vous êtes plus qu'un simple amas de fils et de lignes de code. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Extinction des feux, Rex. Non! Allumage des feux! Elisabeth! Rex! Vous avez tué le colonel Sloan. J'ai l'impression que tout ce pouvoir lui est monté à la tête. Et maintenant, Rex? Ils vont venir ici et tout prendre. Vos recherches, les armes, le sang de dragon. C'est ce que vous voulez? Une armée de monstres? C'est ce que Sloan voulait, mais je suis pas lui. J'ai réactivé tous les pièges à sûreté intégrés des bunkers. Une seule pression, et tout disparaîtra dans les flammes. Vous nous avez sauvés, Rex. Cette fois, Doc, c'est plutôt vous qui m'avez sauvé. Non, Rex. On s'est sauvés mutuellement. C'était la fin du Let's Play de Far Cry 3 Blood Dragon. Merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play, cette aventure pleine d'action, pleine de second degré, on peut appeler ça comme ça, un jeu développé par la team Ubisoft Montréal, édité par Ubisoft. Ce sont vraiment des développeurs extraordinaires. Ils font que des jeux de bonne facture, même les standalone, les extensions, elles sont excellentes. Tout est bon chez Ubisoft en ce moment. En plus, prochainement, va y avoir Watch Dogs, va y avoir Rayman Origins, ou plutôt Rayman... Rayman comment déjà le prochain jeu, je ne sais plus, Rayman Legends. Pardon. Voilà, donc, Rayman Legends, Watch Dogs, que des bons jeux développés par Ubisoft. Donc ça procure le meilleur programme par la suite pour eux et pour nous, bien entendu, que c'est pour nous qu'ils font les jeux vidéo. Ça fait plaisir. Un magnifique standalone nommé Far Cry 3 Blood Dragon,
que je conseille à tous. Alors graphiquement, je vais faire un petit débrief, le jeu est excellent, donc graphiquement, le seul souci que je peux émettre, donc ça reprend bien entendu le moteur intégralement de Far Cry 3, sauf que le gros défaut, on va dire, du côté graphisme et aussi niveau ambiance du jeu, c'est qu'on reste toujours dans un côté sombre. Et ça, ça peut déranger certaines personnes. Moi, ça m'a pas trop dérangé, vu que le jeu est court. Mais c'est sûr que le jeu aurait fait plus de 5 heures de durée de vie, en termes objectifs principaux, hein, je parle bien. Ça m'aurait un petit peu dérangé, le fait qu'il fait à peu près 3 heures en objectifs principaux. Après, vous pourrez ajouter 3-4 heures en objectif annexe. Voilà. Bon, sinon, graphiquement, ça reste très correct. Au niveau du gameplay, eh ben écoutez, c'est du pareil au même que Far Cry 3. Peut-être un petit manque d'armes, quoique la durée de vie, écoutez, il n'y a pas besoin de plus d'armes, je trouve. Donc pour ma part, c'était du très très lourd aussi niveau gameplay. Niveau bande-son, exceptionnel. Voilà, niveau bande-son, il n'y a rien à dire, ils reprennent pas mal de thèmes, que ce soit Rookie, que ce soit plein de thèmes, et bien sûr, des thèmes spécifiquement pris pour ce Far Cry 3 Blood Dragon. Donc c'est vraiment excellent, franchement, je tiens à saluer la bande-son du jeu, qui est vraiment exceptionnel. Mais que dire de la musique finale que l'on a vécue il y a quelques minutes, la musique de Rocky IV qui était excellente. Franchement, j'étais sur le cul, je m'attendais pas à ça, et je dois bien vous dire que ça m'a fait vachement plaisir. C'est pour ça que pendant la dernière mission, j'ai presque pas pu parler. Je crois que j'ai même pas parlé, voilà. C'était tellement intense, c'était tellement bien foutu que j'ai pas voulu justement vous gâcher ce moment. Donc j'espère que vous m'aurez compris en tout cas. C'était vraiment un plaisir de vous présenter ce jeu. Pour ma part, si je devais le noter, je crois que je lui mettrais 16 sur 20. Voilà, je pense 16 sur 20. Graphiquement, je lui mettrais, allez, 15 sur 20, parce qu'il y avait quand même à boire et à manger, mais il y avait quelques défauts, comme la météo, je vous l'ai dit, aucun changement climatique. Ça m'a un petit peu dérangé d'être tout le temps dans la même ambiance. Mais ensuite, c'est vrai que le côté flashy était quand même très agréable et changeait radicalement du Far Cry 3 d'origine. Et c'est surtout ça que je voulais, quelque chose qui change. Et ben, j'ai pas été déçu, et ça fait plaisir, bon Dieu, un jeu fun. Voilà, on se prend pas la tête, on dégomme tout, ça fait plaisir. Tout simplement. Voilà pour ce qui est des graphismes. Donc c'est vrai que gameplay, j'ai accroché. Bande son, j'ai accroché. Scénario, c'est du kitsch. Hein. Voilà, c'est du kitsch. Il y a beaucoup de clins d'œil. C'est une histoire à prendre au second degré. Donc voilà, aussi très très bien. Parce que c'est pas souvent qu'on a des jeux justement qui sortent complètement des sentiers battus, j'ai envie de dire. Donc c'est une très très bonne chose. Moi, je suis complètement fan. Tout simplement, donc vous verrez, c'est une note un petit peu coup de cœur, hein, 16 sur 20, parce que ça aurait été un jeu, non, quand même, je trouve très très bon, voilà. Il aurait très bien pu s'appeler autrement que Far Cry 3 Blood Dragon, il aurait pu s'appeler Gunfight Blood Dragon, je m'en fous. Moi, je regarde les qualités du jeu, et franchement, c'est excellent, mais on aurait bien senti, même s'il l'aurait appelé autrement, que ça venait d'un gameplay de Far Cry 3, parce que franchement, ça se ressent. Franchement. Voilà, donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce let's play sur Far Cry 3 Blood Dragon. C'était un grand plaisir de vous avoir à mes côtés pour celui-ci. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, surtout la fin qui est exceptionnelle. Allez, en tout cas, les gars et chères demoiselles, galaxiens et galaxiennes, c'était un grand plaisir. Portez-vous bien. Et les prochains let's play, il en aura beaucoup. Sûrement le prochain, donc je serai au courant dans mes chroniques du routier, mais il y aura peut-être bientôt, très bientôt même. Il sort le 17 mai prochain, il se nomme Metro Last Night, parce que j'ai acheté une nouvelle carte graphique et ce jeu m'a été offert, on va dire, sur PC. Donc du coup, pourquoi pas faire ce jeu à partir du 17 mai. Voilà, allez les amis, en tout cas, portez-vous bien et à la prochaine et vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.